Salut les rétrofans! Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les Jumbo Movies. Alors donc, encore une fois, les Jumbo, pour rappel, donc c'est des cartes plus grandes que la normale. Petit élément de comparaison, donc voici une Jumbo et voici une carte règle normale. Voilà. Voilà, pour info, ces cartes servent de checklist. Accessoirement, derrière il y a des checklists ou des petites explications promo. Maintenant on va voir l'ensemble. Voilà donc les cartes. Donc il y en a 17. Donc j'ai commencé par vous montrer les celles basées sur les maquettes de Hondan. Donc à chaque fois à l'arrière on a une checklist. À savoir que c'était des cartes dispo au taux FR en fait. À chaque fois en haut on voit l'année quoi. Donc voilà, chaque carte est basée sur un film. Donc les illustrations sont très sympas. Donc ça, encore une fois, je vous montre les maquettes Hondan. Ensuite, je vais vous montrer les maquettes Super Battle. Et évidemment, il y a des visuels que vous retrouvez dans les deux. Donc voilà, si je me souviens bien, donc il y a 9 Hondan et il y a 7 Super Battle. Voilà, ce visuel par exemple, vous l'aviez aussi sur le Hondan. Aussi d'ailleurs. Et voilà donc pour ces 17 cartes Jumbo Movie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Non, si vous vous êtes aperçu, j'ai mal compté. Donc effectivement, j'avais pas montré 17, mais bien 16. Et oui, pourquoi? Parce que la dernière, en fait, c'est une semi-jumbo. Donc c'est pour ça que je l'ai mise un peu à part. Et de toute façon, en plus, c'était la dernière. Donc pour un petit comparatif, voici une jumbo et voici une semi-jumbo. Donc semi-jumbo, c'est pas vraiment la moitié, c'est moins que la moitié d'une jumbo. Hein. Voilà. On va zoomer dessus. Voilà, donc là, enfin, je vous ai présenté les 17. Par contre, tant que je suis là et que vous êtes encore là, vous n'êtes pas encore parti, j'imagine. Je vais vous montrer celle-là, qui du coup fait pas partie des movies, qui est aussi une semi-jumbo donc. Et qui est une semi-jumbo GT, donc pareil avec checklist au dos. Et effectivement, vous vous dites, mais ce visuel, je l'ai déjà vu quelque part. Oui, c'est normal, parce que ce visuel, en fait,
c'est le même que la Honden Spécial 95 et accessoirement aussi 96. Voilà. Allez, cette fois-ci c'est fini, ciao.